Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mr. Fox, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le Let's Play sur Watch Dogs, qui sort déjà, oui, en effet, tout simplement parce que j'ai décidé de faire deux Let's Play en même temps. C'est-à-dire que je vais maintenant faire un Let's Play, du coup, le samedi, normalement, sur Pokémon Donjon Mystère, et le mercredi, ce sera Watch Dogs. Donc ça permet d'un petit peu de diversifier la chaîne, étant donné que déjà il va y avoir deux fois plus de Pokémon, parce que le dimanche bientôt ce sera la reprise de Pokémon avec la saison 2. Donc là aujourd'hui nous allons nous concentrer sur du Watch Dogs, changer un petit peu d'univers, nous allons pirater des gens. Watch Dogs c'est un jeu que j'avais bien aimé, bon même si l'histoire est un peu bof, ouais, on va pas se cacher, mais c'est un jeu que j'avais bien aimé de par un petit peu ses innovations, le fait de pouvoir hacker des trucs, tout ça, tout ça. Donc j'espère que je vais bien apprécier. La sensibilité me semble étrange dans le menu, là. Ouais, c'est étrange. J'espère qu'en jeu, ça ira. J'y ai pas joué, je suis sur PC, j'y ai jamais joué pour l'instant sur PC. J'y avais déjà joué sur PS3 à l'époque, mais là, du coup, je sais pas. Mais bon, ouais. La sensibilité en menu m'a l'air bizarre. On verra bien ce que ça donne dans le jeu. Donc là, on a les petits chargements avec les astuces en dessous, évidemment. C'est bon, je suis dans le hall du Merlot. Ok, Aiden, c'est parti. Je lance le piratage. Regarde ça. Une mine de secrets et de mensonges dans un nuage de tonnerre. J'ai qu'à tendre le bras. Mais tout ça, c'est à moi. À nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est costaud. Ça fait combien, là? 100 000 dollars en 30 secondes. J'adore les gens blindés de pognon. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque et sans toucher à rien. Non mais tu t'entends. C'était quoi ça? Tiens, tiens. On dirait qu'on n'est pas le seul sur le coup. On va voir qui c'est. Pas le temps, Damien. On s'en tient au plan. Vide les comptes et on se tire. Quelle aventure, mon garçon. Fais confiance à ton mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je veux barquer. Mais merde. J'y suis presque. Terminé, je coupe tout maintenant. Non, surtout tu touches à rien. Qu'est-ce que c'est ça? Laisse tomber. Non, on n'a pas terminé. Aide-moi. Eh bien, c'est fini, je Maurice. Ouais. À toi de jouer. L'un de nos contacts a eu le nom des hackers du Merlot. On les tient. On t'a refilé Aiden Pierce. Tu t'en occupes. Sa famille aussi, s'il le faut. Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi. Ça pose un problème? Non, je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. Mec. Qui a donné l'ordre? Oh putain!
J'en sais rien, je te l'ai dit. T'en sais rien. Sa famille aussi, ça pose un problème? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. À ton avis, Maurice, tu m'as foutu la trouille? C'était juste un boulot, mec. Je savais pas. Qui c'était au téléphone? Donne-moi son nom. Il m'a jamais dit son nom. Je vais te donner un nom, moi. Léna. Léna Pierce. Je savais pas qu'il y aurait des gosses, ok? C'était pas prévu, ça. Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses attentivement. Réfléchis. Écoute, mec. Même si j'avais un nom, tu pourrais pas me faire parler. Ces types... on raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu vas oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on peut pas... Non, arrête! Arrête! Qui a donné l'ordre? On a parlé au téléphone, d'accord? Il m'a dit où je pouvais te trouver. C'est tout ce que je sais. Son nom. Je sais pas! Son nom! Allez, bute-moi, merde, vas-y, bute-moi! Oh, elle est dégueulasse, la sensibilité! Ah! Et ta mémoire, maintenant? Ça va mieux? Ok, j'ai eu le temps de rien faire. Maurice veut rien me dire. Mais je parie qu'à toi, il t'a parlé. Alors, je vais juste augmenter un petit peu la sensibilité. Donc le temps... Ok, bon ben on se retrouve du coup pour se lifter sur Watch Dogs. Yo Maurice, qu'est-ce que tu fous, petit bâtard? Oh merde! Je peux savoir ce que t'as foutu? Quoi? C'est à moi qui parle. Je te laisse seul 2 minutes et voilà. Rends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi? Tu m'as dit que tu l'aurais tué sinon. Je t'ai juste demandé de les garder. Bah, prends le flingue du mec qui est par terre. T'étais où d'ailleurs? Un coup de fil urgent. Alors, Maurice a craché le morceau? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bon, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi? T'as même pas remarqué mon petit coup de vis dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la 8e manche, Chicago mène et le match est presque fini. On n'a plus le temps. Joli coup. Bon, sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil? D'accord, vas-y, parle-moi de ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion, donc j'ai appelé les flics. Mais non. Si, si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam 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 pam. Jordi, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu me remercieras. Super. Des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi, t'attrapes Maurice et tu le sors de là. Maurice? Je ressemble à quoi, moi? Un taxi? C'est lui qui a tiré. J'en ai pas fini avec lui. Connard. Police de Chicago! S'il y a quelqu'un là-dedans, identifiez-vous! Ok, bon, ça a l'air cool. Bon, donc comme je vous dis, j'aime bien le gameplay de ce jeu. Après, bon, l'histoire est un petit peu bof bof, quoi. Central, on a 2 cadavres au sous-sol. J'avais pas vu c'était quoi la touche pour l'anéantir. Du coup, je crois que c'est eux maintenant. Je crois que j'ai vu. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai vu. Bon, ça va être un petit peu compliqué. Le temps qu'on s'habitue.
Je sais que j'avais fait ce jeu sur PS3, je sais qu'à la fin du jeu, ça commence à être un peu chaud quand même. On ne voit rien avec ça là. Encore un Viceroy. Alors, il n'y a pas vraiment de victime. Ah, c'est F, ok. Oh ok. Eh, je vous avais dit qu'on ferait un jeu d'infiltration un jour. J'avais pas menti. Alors, est-ce qu'on a un flic là-haut? Ce qui va être drôle, c'est quand je vais devoir tirer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, dans ce jeu, on peut pas sauter, par contre. On peut que grimper. Alors, bon. Alors, W. Ouais. Ok, ça continue là-bas. On nous a signalé un Viceroy dans le salon VIP. On y va. Ok, j'arrive. Il ne bougera pas à moins que je lui donne une bonne raison. Maintenant... Ah, ok. Tu veux que je lance là? Ok. Mort à l'hameçon. Il vient d'acheter des films porno. Voilà, c'est fait. Bon, on n'est pas des salauds, on va pas tuer tout le monde comme ça sans raison. Hein. Parce que oui, je pourrais utiliser mon flingue, mais bon, j'ai pas envie de buter tous les gens qui passent dans la rue, quoi. Ouais, je suis là, et donc. Que se passe-t-il? Puis-je rentrer? Et je loupais quelque chose. Me semble pas. Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait? Eh hey, monsieur! Vous, mais approchez! Attends, mais c'est quoi ce plan? J'ai rien fait moi! Je veux juste parler. Quoi? C'est mes billets que tu veux, je les ai là. Arrêtez, faites-moi voir moi. Hey, mais vous avez pas le droit, ça se fait pas ça! Reculez tout de suite! Vous êtes des Viceroy, c'est ça? C'est pas illégal que je sache! Faites pas la maline! Sors d'où l'argent pour vos billets VIP? Je suis sûr qu'ils gagnent plus que vous. Ah ouais? En faisant quoi? Didi, leur dis rien. Calme-toi, ok? Ils ont rien contre nous. Moi, je suis à peu près certain qu'on va surtout trouver vos noms partout. Ah putain, depuis tout à l'heure, je l'avais pas vu. Montrez-moi vos papiers. Maintenant. Je te montre que dalle, ouais. Eh, mais c'est quoi? Putain de merde! Eh, tu filmes tout? T'es parti. On va le foutre en ligne, c'est ton foiré. Bon, on va faire autrement. C'est pas normal. Je te dirais bien de sourire, mais ça marche mieux si tu souris pas. Eh hey mec, on pirate le petit distributeur au passage, hein. Tant qu'à faire. Oups. La police va bientôt boucler tout le secteur. Il me faut une grosse diversion, sinon je suis coincé. J'aimerais couper le courant, juste le temps de filer. Dans tout le stade? Je croyais que t'avais dit que le justicier devait se faire oublier. L'électricité est reliée au CTOS, mais c'est derrière un gros firewall. Écoute, il faut à tout prix que je sorte du stade. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche? Dans la pièce suivante. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. Les types de la sécurité doivent avoir le code d'accès. Avec tous ces flics, il doit bien avoir un dans le coin. Ok. Oui? Vous avez un plan d'évacuation? Oui, bien entendu. Parfait, alors lancez-le. Jaco, vous débarquez dans le stade. Ça fera l'affaire. Les spectateurs vont paniquer. Il faut arrêter le match et les faire sortir dans le calme. Quoi? Arrêter le match? Ok. Et donc? Ici PH2, vu d'ici la situation se complique. La coupure a détruit plusieurs projecteurs et il y a peut-être des blessés. Les gens commencent à descendre sur le terrain. PH2, on est en train de voir avec le gaz de CTOS, remettre le système en ligne. La la la! Personne ne me voit. Comme par hasard, il y a une batte de baseball là. Jordi, où est-ce que t'es? Bah, je me suis barré. Je suis allergique aux flics. Maurice aussi d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'ai laissé un petit cadeau.
Le pote d'un de mes potes travaille dans les voitures d'occasion. Va voir dans le garage de l'autre côté de la rue. T'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, à plus tard. Là, là, là. Oh, ces lumières, elles éblouissent, quoi. Elle est où ta bagnole, mec? Par là. Hop, on regarde pas avant de traverser, on s'en fout. Centrale, on est en position, on cherche toujours le... Alors, Z accéléré, S freiné, S maintenu, marche arrière. Espace, frein à main, mage, regardez derrière. C'est changer de caméra. Oh là là. Ça va être un carnage, hein. Alors déjà que la conduite dans ce jeu est pas réputée pour être très bonne, alors là, ça va être... Waouh. Bah, qu'est-ce que vous en savez que c'est moi? Poussez-vous! Pas fait exprès! Je ne sais pas par où aller! Les chocs ne sont pas réalistes! Mon airbag aurait dû se déclencher 20 fois! Poussez-vous, vous voyez bien que je veux passer. Je suis en train de me faire rattraper là. Vite la police! J'en peux plus. J'en peux plus déjà. Oh bordel. Je tiens celui qui a tiré. Il me reste plus qu'à le faire parler. Mais comment? Elle est où ma planque? Je suis fort avec Maurice. Mais la torture marchera pas. Faut que j'arrive à entrer dans sa tête. Sa culpabilité le bouffe. Non, reviens. Bon, tant pis. Ah merde! JPP! Je suis rentré dans quoi? Dans un transfo? Ah putain! Il y a quoi là au milieu? Ouais, c'est un transfo! Putain, mais j'en peux plus quoi! Je m'énerve moi-même! Oh là là! Putain, on vit vraiment dans un taudis par contre, hein! Un taudis bien aménagé au moins, enfin avec de l'informatique quoi, et un vidéoprojecteur. On raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu devrais oublier tout ça, mec. Et si je veux pas? Pourquoi tu restes assis là? Il va venir, hein? C'est pas comme la dernière fois. Jackson, Trésor, je l'ai invité. Ça fait longtemps. T'es sûr que t'as fait le bon numéro, maman? Chérie. Ton oncle est un peu spécial, je sais. Ça espionne sa famille en plus. Je t'aime pas. Bon, je sais que la dernière fois qu'il est venu, ta sœur est morte. Mais ce n'est qu'un détail. La tienne aussi. Apparemment, nos infos sur Maurice étaient correctes. On a réussi à accéder au City OS par une backdoor pendant que tu occupais la police. Et puisque c'est gagnant-gagnant, on va partager. La backdoor te permet d'accéder à une portion du réseau City OS. Je vais essayer d'aller encore plus loin. Donne-moi un peu de temps. Et si je veux pas, je fais comment? Bon bah, trop tard. J'ai combien de points de compétence? 5. Putain, mais comment on se déplace là-dedans? Mais c'est quoi ça? Batterie supplémentaire. Boost de piratage de distributeur. Contrôle ferroviaire. Pont. Contrôle de pont. Ah, ça, je sais que c'est bien.
Ça, on va acheter, je sais que c'est bien. Puis ça aussi, en fait, voilà. Il nous reste 3 points. Combat, focus. Contrôle pour activer, désactiver le focus, ralentir votre perception du temps. Ouais, ça a l'air. Non, oui. Ça a l'air bien. Visée stable, réduit le recul lors des tirs, quelle que soit l'arme utilisée. Ouais. Ouais, c'est des trucs de base, tout ça, mais je pense que ça nous sera utile. Brouillage, couper la part des signaux de communication. Très efficace pour compliquer la tâche des policiers, pas étonnant qu'elle soit si populaire. Connaître de fragmentation. Bon, on va prendre ça, ça a l'air mieux. Hop. Conduite. Déverrouillage de voiture. Putain, j'aurais dû garder ça pour ça. Bon, pas grave. On en aura dans plein longtemps, je pense, des points de compétences. Mission accomplie. C'est bon, je me repose, c'est ça? Repos. Rendez-vous dans une planque pour reposer. Faites-vous reposer, faites avancer le temps, rétablis votre charge de focus et sauvegarde votre partie. 6 heures. 7 heures. Ouais, on va dormir un heure de plus quand même. Mettez un casque, sinon il peut y avoir des problèmes en cas de choc. Vécu 6 ans, quoi, la pauvre. On peut comprendre que c'est gênant dans une vie de vivre 6 ans. Tu dors tout habillé. J'en peux plus de me souvenir d'elle comme ça. Je rêve plus jamais de son visage à la fenêtre quand j'allais les voir. Ou de la petite danse rigolote qu'elle faisait. C'est toujours le même cauchemar. Mmh. Tiens donc, on a des ennuis. Apparence. Peut-on modifier son apparence? Pas du tout. Il faut que je me change les idées. Heureusement, la ville est pleine de distractions. Et elles ne peuvent pas m'échapper. Mmh. Ok, je suis censé tomber sur un mec louche, je crois. Ah, élevé par une famille d'accueil. Ce mec a l'air violent. Faut pas le laisser s'en prendre à quelqu'un. Je vais le retrouver. Un mouchard sur son appel, et je le tiens. Oh mon dieu, il télécharge illégalement. Voilà. Il est dans cette zone. Faut que je fasse attention, ne pas me faire repérer. Et laisser le profiler faire son travail. Rendez-vous dans la zone étiquée, utilisez le profiler pour identifier une victime ou un criminel potentiel. Ne vous faites pas repérer, attendez l'alerte du site OS avant d'intervenir. Votre réputation augmente davantage si vous neutralisez un criminel sans le tuer. Si vous voulez bien me communiquer les informations nécessaires, je ferai mon possible. C'est sûrement après qu'il en a. On peut discuter. Mais je veux pas en parler avec toi. Tu comprends? C'est fini. Fais-toi une raison. T'as tout faux. C'est pas terminé. Dégage, putain, interviens. T'inquiète même pas que lui on va le rattraper là. Oh toi. Reviens là. Oh toi. Oh toi, je t'attrape, t'es mort. Enfin non, parce que j'ai envie d'avoir plus de points donc. Attention, il y a quand même un homme sur la route hein. Voilà. Tu veux jouer les héros? Nikki, oui, je sais, la fête a commencé. Elle est presque finie. Où est-ce que t'es? Là, je suis sur la route. Oh, mais tu le fais exprès. Tu sais à quel point c'est important pour Jackson. Dépêche-toi, on a envie de te voir. Oui, moi aussi. Je serai bientôt là. Désolé, Nikki, j'ai un double appel. On se voit bientôt. Cool, tu t'en es tiré. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Des voitures d'occasion? Tu préfères passer par un concessionnaire? Ce mec, je lui pose pas de questions, et il me trouve les voitures que je veux, alors si ça t'intéresse... Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va?
Oh, t'inquiète, il est dans une forme olympique. Je vais le déposer à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui vivant, Jordi. Ouais, ouais, vivant, comme tu veux. T'as pas l'habitude, hein, c'est pour ça. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais c'est toi qui paies, et très cher. Alors tant que tu paies, il reste en vie. Véhicule à la carte. Ok. Bon, moi j'ai vu un petit truc qui a l'air de m'intéresser là. Je sais pas si je peux y aller tranquille. Là-bas, il y a un genre de truc à pirater CityOS, me semble-t-il. Il me semble que ça permet d'avoir un plus grand contrôle dans mes souvenirs. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien le prendre, enfin le pirater quoi. C'est très probablement un iPhone. Ok. D'accord. Ok, très bien. Bon. Putain, ils en foutent du bordel en bas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a bel et bien les pompiers, what the fuck? Eh, vous avez vu ça? Oh, les pompiers, ils déconnent zéro ici, hein. Alors, c'est comment la carte déjà? C'est comme ça. Où dois-je t'aller? Ah oui, c'est vrai qu'il faut, faire attention à pas tuer des civils. Sinon, on perd la réputation. Qui c'est qui fait waouh, là? Bon, j'ai une nouvelle voiture. J'ai une nouvelle voiture, quoi. Genre nickel, quoi, j'ai une nouvelle bagnole. Alors. Aller voir Nikki depuis l'enterrement. Est-ce que je suis prêt? Réponse, non. Au dernier anniversaire de Jackson, Lena avait chanté en apportant le gâteau. Elle chantait à tue-tête et pas très juste. Aujourd'hui... j'ai peur du silence. Je te comprends. Allez, remonte dans ta voiture, pas du tout volée, parce que elle est pas volée. On va y aller en marchant. Ça fait un peu plus sérieux, non? Hop, 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 comment ça va? On y va. T'as quel âge aujourd'hui? 10 ans. Non, je pense plutôt que t'as 9 ans. J'ai 10 ans. 9. 10. 9. 10. Bon, alors dans ce cas, ça fait 10 guillis d'anniversaire. Et. Un, arrête, deux, maman. 4, 5, non, 6, maman. 7, 8, 10. Non, arrête, 10. Pas là, pas le trou, 10. Quoi. Attends-moi une seconde. Ok, donc ça fait une année complète et. Et je suis en retard. Je sais, désolé, Nikki. Vraiment. Approche. Laisse-moi te regarder un peu. T'as pris un coup de vieux. Oh, sympa. Merci bien. C'est son premier anniversaire sans Lena. Comment il va? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Yolanda? Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. C'est pas facile, mais on progresse. Jackson? Jackson... désolé pour le retard. Tu me fais un câlin? T'es... grand. Alors, t'as eu quoi? Ah, le soigneur. Cool. Tu lui as offert un vrai jouet cette fois. Si t'allais jouer un peu dans ta chambre, je dois parler à ton oncle. Je te rejoins dans une seconde, bonhomme. C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux être sûre que les choses ont changé. Les choses ont changé. Toi et Jackson, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Compte sur moi, je serai toujours là pour vous. Toujours à jouer les grands frères.
Bah, c'est pour éviter que ton fils y meure, hein, parce que ta fille, elle est déjà morte. C'est pas très sympa, j'avoue, mais... La dernière fois que j'étais là, c'était pour l'anniversaire de Lena. Et elle est morte. Jackson l'adorait. Comme nous tous. T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier. Ils imitaient ce type, là, qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner. Jackson était le justicier? Ils étaient tous le justicier. C'était moi, la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante. J'ai bien résisté. J'aurais dû venir plus tôt. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur. Ouais, mais sinon, tu te on en quand parle. Quand toi et maman, vous étiez super malade et que papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire. Résultat, t'as vomi un truc violet sur la table du salon. Bah voilà, c'était ça, papa. C'est gênant. Pas le mec le plus sympa du monde, mais toujours là pour sa famille. C'est gênant. Ouais. Je vais arrêter de radoter, moi. C'est gênant. C'est malaisant. Voilà. Ah, vraiment? Non, non. Continuez. Allez-y. Oui, bonjour. Un numéro masqué, ça se retrouve, vous savez. Je sais pas trop ce qui vous amuse, mais je suis pas sûre que la police trouve ça très drôle. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Vous êtes prêts? Sortez de chez vous, achetez-vous une vie, faites des trucs et arrêtez de m'appeler. Répétez un peu pour voir. Je vous préviens, la police peut identifier l'appel. C'est ça, oui. Je sais où tu vis. Tu crois vraiment que tes serrures sont solides? Qui est à l'appareil? Dites-moi ce que vous voulez. Tu te sens en sécurité, Nikki? Alors, pour en revenir à ce que je disais, je peux toujours pas. Ça. C'est rien, c'est juste une blague. Ça arrive. C'est assez solide, d'après toi? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix? Bon, Aiden, ça va, là. C'est bon. C'est bon. Apparemment, il pense pouvoir entrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok? On se passera de ton aide. Nikki, je peux retrouver ce mec. Aiden, putain, en fait, t'as pas changé, hein. On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires. Parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, c'est encore pire. C'est pas très sympa, en plus, de faire ça devant ton gosse, hein. Vaut mieux que j'y aille. C'est pas ma voiture devant. C'est une bonne idée. Il a pas l'air très très content, ton neveu, monsieur. Voilà. Je sens que ça va partir en course-poursuite et que je vais pas contrôler. Oh mon dieu. Désolé. Moi j'avais peur. On menace pas. Encore une fois. C'était pas prévu. Pousse-toi, pousse-toi, merci. Faut que je lui fasse un pit. Ouais. Désolée, je me suis un peu emballée tout à l'heure. Et tu me prends vraiment dingue des fois. Reviens, d'accord? Resterai calme, promis. Aiden? T'es à la recherche de l'autre cinglé, c'est ça? Eh ben... T'es en train de le poursuivre, là? Oh, j'hallucine. Non, c'est pas ce que tu crois. Arrête de jouer au héros, Aiden. Laisse tomber. Laisse quoi? Écoute, je t'entends mal, là, j'ai pas de réseau. Non, je sais très bien que tu m'entends. Arrête-toi, je te dis. Allô? Allô? T'es toujours là? J'entends rien. Bon, allez, au revoir. Putain, mais pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps casser la bagnole pour pouvoir neutraliser quelqu'un dans ce jeu, par contre? Voilà, j'ai fait un pit. Ça suffit pas?
Aïe. Le mec il va pas s'arrêter avant que sa bagnole explose hein, en fait. Oh là là, mais que fait la police? Question. Sûrement pas ta nièce, hey, qui est morte. Progrès avec DedSec ? J'ai besoin d'accéder au site iOS. Oui, c'est en cours. Il vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel ? Comment je pourrais refuser ça à mon meilleur client ? Bon, il s'agit de quoi en fait ? Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Louvre. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok, donc si j'arrive à pirater le site iOS une fois dans le Loom. Moi, je pourrais remonter jusqu'à la source de la mer. D'accord. Loom construit un nouveau centre de site iOS dans le Loom. Ça tombe bien. DedSec a lancé une attaque dessus le mois dernier, mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Détends-toi. Je ferai en sorte d'être armé jusqu'aux dents. Oh, une moto. Ouais, non, remarque, je vais mourir avec. Ils engagent des mercenaires pour surveiller les centres CityOS. Ces types sont bien équipés et parés au combat. Et moi aussi. Alors, on se fait ça comment ? Infiltration ou n'importe nawak ? Coucou. La pirate est quoi ? Sa connexion au câble. Oh mon dieu, quel pirate! Bon bah du coup ça va pas être trop la diversion au final. Attention! What? Et pourquoi je peux pas tirer? A few moments later. Ah, ça fait bobo. Elle a l'air cool ton arme là. Je veux pas la prendre. Waouh. Ça c'était très compliqué putain. Bon, bref. Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourra m'être utile. Garde un œil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Hé, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé.
donc ce que je demande... Ok, ok, c'est bon. Je m'en occupe. Non, mais je voudrais pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement? Une livraison. Escorter un type. C'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Ouf. J'aurais pas dit ça. Bon, eh bien, nous allons aller à la planque, tout simplement. Eh bien, trajet rapide. Because ça va être la fin de l'épisode, tout simplement. Parce que ça fait combien de temps qu'on tourne là? Ça fait 1h22, bon. Moins le fail du début, on va dire que ça fait 1h. Donc bon. Ah, je suis pas à la planque que je croyais que j'allais être. Bon, c'est pas grave. Bref, du coup, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Moi, en tout cas, je vous dis à plus tout le monde pour la suite du Let's Play ou samedi pour le Let's Play sur Pokémon Donjons Mystère ou même peut-être à dimanche pour Pokémon, mais je ne sais pas si ça va sortir cette semaine. Et puis, bah, du coup, je vous dis à plus tout le monde. Allez, salut à tous.